Bon, c'est pas grave. On fait genre, c'est ça, hein. Mais c'est pas ça. Et là, on part in-game avec Cam. On n'est pas. Attends, on va inverser tout ça. Sérieux. Je crois que c'est bon, alors je sais pas qui est qui. Je crois que. Mais c'est pas Mako. C'est bon. On est bon. Attends, y'a un problème là. Comment ça, Mako? Vas-y, comment te regarder ce que c'est que ce problème? Ah non, il a choisi le pseudo Mako. Okay. Oui, non, c'est son tag. Je me suis fait avoir. C'est pas son pseudo. Mais du coup, ok, on commence tout doucement avec petite phase de Limso sur Walker. Okay. On s'échange des patates, ok. Il y a des bails à base d'armure. On a le KO Punch qui est en fin de sortie. On a fait deux double rolls sur la plateforme, on n'arrive pas à descendre, mais on avait quand même le KO Punch qui était dans sa phase où il peut pas tomber. Oh, mais attention, bien vu ça. Belle punish au landing hein, sur cette plateforme là. Ouais. Et une très grosse stock d'avance prise par Walker. Et ça lui fait ses affaires. C'était Miso, mais le call-out de timing était faramineux. On a catch le jump avec le neutral B. On utilise bien l'armor. Est-ce que quelqu'un lui a juste dit genre attends, mais en plus il a même pas de ses sticks. C'est même pas un Little Mac au C-Stick, il fait tout à la main. Ah bah attends, c'est un professionnel du Joy-Con apparemment. C'est un Little Mac single Joy-Con, rendez-vous compte. Le Little Mac il s'est bien repris quand même. Oh ah, ah, ah. On a eu un press home accidentel, c'est les aléas du Joy-Con notamment. Ah oui, alors, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué de prendre ce genre de manette. Donc les joueurs sont mis d'accord, normalement c'est une stock en moins hein, quand c'est pas ouais, ça. Ouais, mais là ils se sont dit bon pas grave. Ils se sont dit c'est une weekly. Round 1, ça se trouve c'est le premier tournoi de Walker. Ouais. Ouais, attention, okay. Il reste plus qu'une plume hein, pour Limso. On a tenté de catch le. Oh non! On a eu un miss input side B dans l'autre sens. Ouais, ça c'est un peu la tristesse du personnage. Hein. Little Mac il a une reco très mauvaise. Et tu fais juste une petite erreur off stage, c'est la fin de ta stock. Ouais. Mais bon, quand même, des belles réponses qui sont trouvées à base de dash attack, d'armor avec les moves, etc. Mm-hmm. Il y a un petit peu de mashing. On va pas se mentir, mais pour un Little Mac Joy-Con nouveau en tournoi, bah ça s'en sort en fait. Très clairement, c'est une menace, hein, genre ne dormez pas sur ce perso. Non. Encore moins sur ces joueurs. Moi c'est un perso qui me terrifie, hein, Little Mac. Oui, hein. Oui vraiment. Il fait super, okay. il est presque pris un side B, enfin un fer à la Ganondorf. Ouais. Ok, ça va être quand même un deux stock pour Limso. Il y a eu du chaos dans cette game, mm-hmm. Dans tous les sens du terme. C'était pas. Oui. On a visité le menu home. Belle blague, pas mal. Moi j'aime bien, je valide. Ouais. Alors 1-0 pour le joueur de Banjo qui s'en est malgré tout bien sorti. Hein. Je crois qu'il s'est fait à un moment donné, il s'est fait passer devant par le Little Mac. Il s'est fait counter. Enfin, il s'est fait revenge stock juste derrière. Et Little Mac commençait à revenir un petit peu plus dans la game jusqu'à ce moment fatidique du menu home qui, je pense, l'a un peu sorti du match. Ouais. C'est terrible. Mais bon, on va quand même enchaîner sur la game 2. On va voir ce que ça choisit comme stage. Par ici, du coup, on a pris Smashville. On galère à trouver un peu Smashville, mais ça va aller. C'est aussi avec les modes, c'est un peu différent là. Oui, c'est dur à trouver. En Smashville, je crois pas qu'il soit changé. Si le background. Ah oui, c'est avec. Il y a des villes, il y a des gratte-ciels derrière. Attends, faut qu'on trouve. Je sais plus comment c'est. Non, mais. Ouais, pour changer les maps, je sais plus du tout. Je sais plus. Je suis du père, mais pas grave. Faudrait qu'on demande plus tard. Bref, vous avez compris, c'est Smashville. Hein. Yes. Ok. Donc, un choix du Little Mac, pourquoi pas, parce que ça tue vachement tôt et il se fait tuer vachement tôt aussi. À zéro. Non, mais je pense que c'était un bon choix parce que les blast zones en fait, bah, elles sont pas si éloignées que ça. Parce que de toute façon, la blast zone est très proche. Et oui, bah, en fait, Little Mac, c'est un armor qui veut tuer son côté dans tous les cas. Quoi. On a armor à travers tous les moves de son adversaire. Ok, est-ce qu'on va réussir à remonter? C'est parfait. Ça passe juste en dessous de ce F-Smash. Et malgré la stock de retard, on commence à mettre des patates. On a le KO Punch qui est de sortie. On s'est pas encore pris de coup qui lui a enlevé tout ça. Mon Dieu. Est-ce qu'il va pouvoir le caler? Ah. Oula, il y a eu vraiment un clank énorme avec la bombe. Mais on était prudent hein, du côté de Limso. Hein. Ce KO Punch, KO Punch, pardon. On savait pertinemment qu'il fallait pas bourrer et qu'on avait juste à punir. Et attention au shield parce que ça passe à travers. Absolument. C'est les douilles qu'on se prend Year One d'Ultimate. Oui. Ah, c'est terrible. Un petit snipe qui va juste garder la ledge.
et impossible de passer quoi. Ça c'est fort dans ce match-up là parce qu'en plus s'il faisait un counter il se retrouvait sous le stage quoi. Ouais. À l'endroit où il était. Donc, trop dur. Le fatidique counter du Little Mac qui te fait passer en dessous. Ok, on utilise bien, ouais, c'est en fait c'est projectiles et la hauteur pour se distancer de Little Mac. Oui, c'est vraiment pas mis en danger, hein. Il a bien réagi sur ce coup-là, il a dit ok, il charge un smash pour mettre une petite grenade dedans, je me prendrai aucun dégât et lui il va se faire punir. Et là ça commence beaucoup moins bien que la game 1 pour Walker. Ouais, Walker là ça commence à être compliqué, joli lock. Le petit lock sur la plateforme. On enlève toujours pas le KO punch. Je pense qu'il faut le garder pour la stock d'après, hein, sûrement. Mais bon, est-ce qu'on en est là? On va le mettre quand même. Pour l'honneur, on va sauver l'honneur en prenant cette stock. Il a mis un KO punch dans le set. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà. Ça veut dire quelque chose. Oh, le Air Mac. Le Air Mac qui se propulse avec une bombe. Attention! Là, est-ce qu'on va pouvoir remonter? On a plus de jump. Non, on n'a pas gardé le saut. Okay. Ouais. On avait mis un 2-0. On avait mis un petit tough au cas où pour catcher un potentiel double saut. Donc c'était un peu échec et mat là pour Limso. Bien joué à lui, 2-0. Assez absolument autoritaire. Donc on a un 2-0 pour Limso avec son banjo. C'est quand même le perso qui est dans sa bulle, qui fait son cocon, etc. Face